Les ténèbres sur le pays d'Égypte. Mirail Boulgakov. Où est donc le reste du monde, le jour de mon anniversaire Où sont les réverbères électriques de Moscou Les gens Le ciel Au-delà des fenêtres, il n'y a rien. Les ténèbres. Nous sommes coupés du monde. Les premiers réverbères à pétrole sont à 9 km d'ici à la gare. Là-bas, un pauvre réverbère doit scintiller, étouffé par la tempête. L'express de Moscou va passer à minuit dans un hurlement et il ne s'arrêtera même pas. Que lui importe cette gare oubliée, ensevelie dans la tourmente? À moins que la voie ne soit enneigée. Les premiers réverbères électriques, on les trouve au chef lieu, à quarante kilomètres. Là-bas, la vie est un délice. Il y a un cinéma, des magasins, et au moment où, dans la campagne, la neige hurle et tombe à gros flocons, sur l'écran peut-être un roseau flotte, des palmiers se balancent, une île tropicale danse. Et nous, nous sommes seuls. Les ténèbres sur le pays d'Égypte, remarqua l'infirmier Demian Lukic en soulevant le store. L'expression est solennelle, mais très bien sentie. C'est exactement ça. Sur le pays d'Égypte. Encore un petit verre? proposai-je. Oh, ne nous blâmez pas. Vous savez, médecins, infirmiers, les deux sages-femmes, nous sommes aussi des êtres humains. Durant de longs mois, nous ne voyons personne, si ce n'est des centaines de malades. Nous travaillons, nous sommes ensevelis sous la neige. Ne nous serait-il pas permis, le jour de l'anniversaire du médecin, de boire, sur sa prescription, deux petits verres d'alcool dilué et de les faire glisser avec des sprats de la région? À votre santé, docteur dit Demian Lukic bien sincèrement. « Nous vous souhaitons de vous habituer parmi nous, » dit Anna Nikolaïevna, et elle trinqua en rajustant sa robe du dimanche à ramage. La seconde sage-femme, Pelagie Ivanovna, trinqua, avala bruyamment une gorgée et s'accroupit aussitôt pour remuer le tisonnier dans le poêle. L'éclat du feu passa sur nos visages. L'alcool réchauffait la poitrine. « Je ne saisis décidément pas, » Commençai-je tout excité en regardant la gerbe d'étincelles qu'avait fait jaillir le tisonnier. Ce que cette bonne femme a bien pu faire avec la belladone! Un vrai cauchemar! Des sourires apparurent sur les visages de l'infirmier et des sages-femmes. En fait, voilà ce dont il s'agissait. Aujourd'hui, à la consultation du matin, une bonne femme rougeaude d'une trentaine d'années se faufila dans mon cabinet. Elle salua la table gynécologique qui se trouvait derrière moi. Puis, Tirant de son sein un flacon à large goulot, obséquieuse, elle commença d'un ton chantant. Je vous remercie, monsieur le docteur, pour les gouttes. Elles ont déjà agi, bien agi. Donnez-moi encore un petit bocal. Je lui pris le flacon des mains, jetai un coup d'œil sur l'étiquette, et tout se pétrifia dans mes yeux. L'étiquette portait une inscription de la large écriture de Demian Lukitsch. « Tincture bella donne, etc. 16 décembre 1917 En d'autres termes, j'avais prescrit, hier, à cette bonne femme, une dose assez importante de Belladone. Et aujourd'hui, jour de mon anniversaire, le 17 décembre, la bonne femme arrive avec le flacon vide en me demandant de la renouveler. « Tu... tu... tu as tout avalé hier » demandai-je d'une voix bizarre. « Tout, cher docteur, tout !» chantait la bonne femme d'une voix douce. « Que Dieu vous accorde la santé pour ces gouttes !» Un demi-bocal en arrivant et un demi-bocal en me couchant, disparu, comme par enchantement. Je m'appuyais à la table gynécologique. Je t'avais prescrit combien de gouttes commençai-je d'une voix étouffée. Cinq gouttes t'avais-je. Mais où as-tu donc la tête, ma petite Toi, tu. Moi, par Dieu, je les ai prises, disait-elle, pensant que je ne croyais pas qu'elle s'était soignée avec ma belle adonne. Je saisis ses joues rouges dans mes mains et commençai à examiner ses pupilles, mais elles n'avaient rien de particulier, assez jolie, absolument normales. Son pouls lui aussi était parfait. On ne relevait chez cette femme strictement aucun symptôme d'empoisonnement par la belladone. Cela ne se peut pas, commençai-je, puis je me mis à hurler. Demian Lukic! Demian Lukic en blouse blanche émergea du couloir de la pharmacie. Venez admirer Démian Lukitsch, ce que cette beauté a fait. Je n'y comprends rien. Devinant qu'elle avait fait quelque chose de mal, la femme, apeurée, tournait la tête en tous sens. Démian Lukic se saisit du flacon, le renifla, le tourna et le retourna dans ses mains, et déclara sévèrement. Toi, ma belle, tu racontes des histoires. Tu ne l'as pas pris, ce médicament. Pard. Commença la femme. Écoute, mon petit. N'essaie pas de nous rouler dit Demian Lukic avec un rictus sévère. Nous comprenons parfaitement. À vous, à qui as-tu fait avaler ces gouttes? La femme leva ses pupilles normales vers le plafond bien blanchi et se signa. Que je... assez! Arrête! Bougonna Demian Lukic. Et il me dit. C'est bien là leur manière d'agir, docteur. Une artiste de ce genre arrive à l'hôpital, on lui prescrit un médicament. Et de retour au village, elle va régaler toutes les paysannes du coin. Voyons, monsieur l'infirmier, ça suffit. Interrompit l'infirmier, il y a huit ans que je suis ici. Je suis au courant. Elle a distribué le flacon dans toutes les maisons, c'est l'évidence. Continua t-il à mon adresse. Donnez moi encore de ces gouttes, demanda la femme d'une voix caressante. Oh. Que non, ma petite dame, répondis je en m'essuyant le front. Tu n'auras plus l'occasion d'en prendre de ces gouttes. Ton ventre va mieux. Bien mieux. C'est parti comme ça. Eh bien, voilà qui est parfait. Je vais t'en prescrire d'autres. Elles sont très bonnes aussi. Je lui prescrivis de la valériane, et elle partit, déçue. C'est de cet incident que nous discutions le jour de mon anniversaire chez moi, dans l'appartement du médecin, alors que dehors, la tempête accrochait ses ténèbres d'Égypte à la fenêtre, comme un lourd rideau. Seulement, disait Demian Lukic, mâchant délicatement un petit poisson à l'huile, seulement, nous nous sommes déjà habitués ici. Mais vous, cher docteur, après l'université, après la capitale, il faudra vraiment vous y faire. C'est un trou perdu. Oh oui, quel trou répéta Anna Nikolaïevna en écho. La tempête de neige poussa un long hurlement dans la cheminée, soupira derrière les murs, et un reflet pourpre tomba sur l'atoll sombre près du poêle. Béni soit le feu qui réchauffe le personnel médical dans les trous de province. N'avez-vous pas entendu parler de votre prédécesseur Léopold de Léopoldovitch demanda l'infirmier qui se mit à fumer après avoir courtoisement offert une cigarette à Anna Nikolaevna. C'était un médecin remarquable, dit Pelagie Ivanovna avec enthousiasme. Ses yeux brillants fixés sur le feu bienfaisant. Son peigne des grands jours avec ses fausses pierres s'enflammait et s'éteignait dans ses cheveux noirs. Oui, une personnalité d'exception, assura l'infirmier. Les paysans l'adoraient littéralement. Il savait les prendre, se faire opérer chez Liponti, d'accord. Il l'appelait Liponti Lipontievitch et non Léopold Léopoldovitch. Ils avaient confiance en lui. Mais aussi, ils savaient leur parler. Tenez, un exemple. Un jour, son ami Fyodor Kosoï de Dulcevo arriva à la consultation. « Eh bien, voilà Liponti Lipontievitch, dit-il. J'ai la poitrine prise. Je peux pas respirer. Et en plus, c'est comme si ça me grattait dans le gosier. Laryngite, dis je machinalement, habitué déjà depuis un mois de rapidité folle au diagnostic éclair de la campagne. Exactement. Bon, dit Lipanti, je vais te donner un remède. Dans deux jours, tu seras sur pied. Voilà des petits cataplasmes français. Tu vas t'en coller un sur le dos, entre les épaules, et un autre sur la poitrine. Tu les gardes dix minutes et tu les enlèves. En avant. Exécution. L'autre prit les cataplasmes et partit. Deux jours après, il se représente à la consultation. « Qu'y a-t-il » demande Lipanti. Et seuil de répondre. « Il y a, Lipanti Lipantich, que vos cataplasmes ne m'ont rien fait du tout. »« Tu racontes des histoires ?» répondit Lipanti. « Ce n'est pas possible que les cataplasmes français ne fassent rien. Tu ne les as peut-être pas appliqués. »« Comment ça, je ne les ai pas appliqués » dit-il. « Maintenant encore, j'en ai un. » Sur ce, il tourne le dos et sur sa peau de mouton un cataplasme collé. Je partis d'un éclat de rire. Pelagie Ivanovna eut un petit rire pointu et s'acharna sur une bûche avec le tisonnier. Comme vous voulez, c'est une bonne histoire, dis-je, mais ce n'est pas possible. Une bonne histoire Une histoire s'exclamèrent les sages-femmes à qui mieux mieux. Mais non, monsieur, dit l'infirmier avec obstination. Ici, vous savez. Toute la vie est faite de bonnes histoires de ce genre. Ici, nous avons de telles choses. Et le sucre, s'exclama Anna Nikolaïevna. « Racontez l'histoire du sucre, Pelagie Ivanovna. Pelagie Ivanovna ferma la porte du poêle et commença les yeux blessés. J'arrive à ce même Dultsevo pour un accouchement. Ce Dultsevo, un fameux endroit, ne put s'empêcher de dire l'infirmier. Et il ajouta. Désolé, continuez, cher collègue. Alors, bien entendu, J'examine, continuait la collègue Pelagie Ivanovna, je sens sous mes doigts quelque chose de bizarre dans le vagin, soit de la poudre, soit de petits morceaux, et ce quelque chose c'était un morceau de sucre. Encore une bonne histoire, remarqua Demian Lukitch d'un ton triomphant. Euh. Attendez, je ne comprends rien. Une matrone, répondit Pelagie Ivanovna. Les bons conseils d'une guérisseuse. Les couches sont difficiles, dit elle. Le bébé refuse de venir au monde. Par conséquent, il faut l'attirer. Et les voilà en train de l'attirer avec une sucrerie. Quelle horreur dis-je. On donne des cheveux à mâcher aux femmes en couche, dit Anna Nikolaïevna. Pourquoi « Pourquoi Dieu seul le sait Trois ou quatre fois, on nous a amené des femmes pour un accouchement. Une malheureuse était allongée et crachait. Sa bouche était absolument remplie de crins. Une superstition prétend que l'accouchement sera plus facile. Les yeux des sages-femmes se mirent à briller sous l'effet des souvenirs. Nous restâmes longtemps près du feu à boire du thé et j'écoutais comme fasciné l'histoire de Pélagie Ivanovna qui, lorsqu'il est nécessaire de transporter une femme de son village chez nous, à l'hôpital, doit toujours passer en queue avec son traîneau pour éviter qu'il ne change d'avis et ne remette la femme entre les mains de la guérisseuse. L'histoire arrivait un jour à une femme que l'on avait suspendue au plafond par les pieds afin que le bébé qui se présentait de façon anormale se retourne. Celle de la matronne de Korobov, qui ayant entendu dire que les médecins rompaient la poche des os, découpa toute la tête du bébé avec un couteau de cuisine, à tel point qu'il fut impossible de sauver l'enfant, même à un homme habile et renommé comme Liponti, et déjà beau qu'il ait pu au moins sauver la mère. Celle, on avait fermé depuis longtemps la porte du poêle. Mes invités avaient regagné leur bâtiment. Je voyais luire encore une faible lumière à la petite fenêtre d'Anna Nikolaïevna, puis elle s'éteignit. Tout disparut. À la tempête de neige vint se mêler le soir de décembre le plus sombre, et le rideau noir me déroba le ciel et la terre. J'arpentais mon cabinet, le plancher craquait légèrement sous mes pieds, le poil de faïence répandait sa chaleur, j'entendais une souris affairée grignoter quelque part. « Eh bien non » réfléchissais-je. Je lutterai contre ces ténèbres d'Égypte, aussi longtemps que le destin me retiendra ici dans ce trou perdu. Un morceau de sucre. Ça alors. Parmi les rêveries nées à la lumière de la lampe, sous l'abat jour vert, surgit une énorme ville d'université avec, dans la ville, un hôpital, et dans cet hôpital, une salle immense, un sol carrelé, des robinets étincelants, des draps blancs stérilisés, un assistant plein de sagesse avec sa petite barbe grisonnante taillée en pointe. Dans des moments comme celui ci, un coup frappé à la porte est toujours troublant, effrayant. Je tressaillis. Qui est là? Axinia? demandai je en me penchant à la balustrade de l'escalier intérieur. L'appartement du médecin comportait deux niveaux en haut, le cabinet et les chambres en bas, la salle à manger, une autre pièce dont j'ignorais l'affectation, et la cuisine qui servait en outre de logement à Axinia, la cuisinière. Et à son mari l'inamovible gardien de l'hôpital le lourd verrou claqua en bas la lumière d'une petite lampe s'avançait en cadence un vent froid entra puis axinia annonça un malade vient d'arriver à vrai dire je n'en étais pas mécontent je n'avais pas encore envie d'aller me coucher et parmi les souvenirs les souris qui grignotent je commençais à me sentir un peu triste un peu seul et d'autre part un malade ce n'était donc pas une femme ce n'était donc pas le plus terrible, ce n'était pas un accouchement. Il peut marcher Oui, répondit Axinia dans un bâillement. Eh bien, qu'il aille dans mon cabinet L'escalier craqua longuement. Quelqu'un de costaud était en train de monter, un homme de forte corpulence. J'étais déjà assis à mon bureau, m'efforçant, dans la mesure du possible, de ne pas laisser transparaître ma vivacité de vingt-quatre ans sous l'enveloppe professionnelle de l'Esculape. Ma main droite était posée sur mon stéthoscope comme sur un revolver. Un personnage en bottes de feutre et en peau de mouton se glissa avec peine par la porte. Il tenait un bonnet de fourrure à la main. Pourquoi venez-vous si tard, cher monsieur demandai-je posément, par acquis de conscience. Excusez-moi, monsieur le docteur, répondit le personnage d'une douce et agréable voix de basse. Cette tempête, un vrai malheur. Nous avons été retardés. On n'y peut rien. Mais pardonnez-moi, je vous prie. Un homme poli, pensai je avec satisfaction. Ce personnage me plut beaucoup et même sa barbe rousse, fournie, me fit bonne impression. On voyait bien qu'une barbe comme celle-ci bénéficiait d'un certain entretien. Son propriétaire devait la tailler, mais aussi l'enduire de quelques produits dans lesquels il n'était pas difficile à un médecin, même depuis peu à la campagne, de deviner la présence d'huile. De quoi s'agit-il? Enlevez votre pelisse. D'où venez-vous? Posé sur une chaise, la pelisse avait l'air d'une montagne. La fièvre ne cesse de me tourmenter, répondit le malade avec un regard affligé. La fièvre Ah vous êtes de vous ?»« En effet, je suis le meunier. Et comment vous tourmente-t-elle Expliquez-moi ça. Tous les jours, quand vient midi, je commence à avoir mal à la tête, puis c'est la fièvre. Je tremble de fièvre pendant environ deux heures, puis elle tombe. Je tiens le diagnostic, entendis-je teinter victorieusement dans ma tête. Et le reste du temps, vous ne ressentez rien? J'ai les jambes faibles. Bon, déboutonnez-vous. Hum. Oui. Vers la fin de la visite, j'étais enchanté de ce malade. Après les vieilles complètement bouchées, les adolescents terrifiés qui reculent avec effroi devant l'abbé-langue métallique, après le tour de ce matin avec la belladone, mon regard universitaire se reposait sur le meunier. Ses propos étaient sensés. Ce n'était en outre pas un illettré. Chacun de ses gestes était même imprégné de respect pour cette science que je considère comme ma préférée, la médecine. Eh bien, mon ami, dis-je, en tapotant sa poitrine tiède d'une largeur impressionnante, vous avez la malaria, fièvre intermittente. J'ai en ce moment une chambre entière de libre. Je vous conseille vivement une hospitalisation ici. Nous allons vous mettre bien sûr en observation. Je commencerai votre traitement par de la poudre, et, si cela ne vous soulage pas, nous vous ferons des piqûres. Nous réussirons. Alors, vous restez? Je vous remercie mille fois, répondit très poliment le meunier. On nous a parlé de vous, tout le monde est satisfait. On raconte que vous guérissez si bien. Je suis d'accord aussi pour les piqûres, pourvu que je me rétablisse. C'est vraiment un rayon de lumière dans les ténèbres, pensai je en m'asseyant à mon bureau pour écrire. Le sentiment que j'éprouvais à cet instant était tellement agréable que j'avais l'impression de recevoir la visite de mon propre frère à l'hôpital et non celle d'un meunier inconnu. Je pris une ordonnance et écrivis Kinini Moor 05 D T dose Endis S Meunier Rudolph. une dose de poudre à minuit et j'apposai une magnifique signature. Puis sur une autre ordonnance Pelagie Ivanovna. Vous recevrez le meunier en chambre deux. Il a la malaria, une dose de quinine en poudre comme il se doit, environ quatre heures avant la crise, c'est-à-dire à minuit. Vous avez là une exception, un meunier cultivé. Déjà au lit, je reçus des mains d'une Axinia renfrognée et baillante un petit mot en réponse. Cher docteur, tout a été fait. Pelle bova. Et je m'endormis. Et je me réveillais. Qu'est ce qu'il t'arrive? Qu'y a t-il? Quoi, Axinia marmonnai je. Aksinia était là, se couvrant pudiquement de sa jupe à pois blanc sur fond sombre. Une bougie éclairait en tremblant son visage ensommeillé et troublé. Maria, accourt à l'instant. Pelagie Ivanovna ordonne de vous appeler immédiatement. Qu'est ce que c'est? Le meunier, à ce qu'elle dit, est en train de mourir dans la chambre deux. Que. Quoi? En train de mourir? Comment ça en train de mourir? Comme je ne trouvais pas mes pantoufles, mes pieds nus rencontrèrent brusquement le froid du plancher. Je craquai des allumettes et les enfonçai dans le bec de la lampe jusqu'à ce que s'allume une petite flamme bleuâtre. La pendule marquait juste six heures. Qu'y a t-il? Mais qu'y a t-il? Se pourrait il que ce ne soit pas la malaria? Que lui arrive t-il? Son pouls est parfait. Cinq minutes plus tard, tout au plus, les chaussettes à l'envers, Ébouriffé, en veste déboutonnée et bottes de feutre, je traversais rapidement la cour encore plongée dans l'obscurité et entrais en trompe dans la chambre numéro deux. Le meunier, vêtu seulement du linge de l'hôpital, était assis sur le lit défait, à côté du drap chiffonné. Une petite lampe à pétrole l'éclairait. Sa barbe rousse était hirsute, ses yeux me parurent noirs et énormes. Il chancelait comme s'il était ivre. Il regardait autour de lui avec effroi, avait des difficultés à respirer. La bouche ouverte, Maria, la garde malade, regardait son visage cramoisi. Pelagie Ivanovna, la blouse déboutonnée de travers, nu tête, se précipita à ma rencontre. Docteur, s'exclama t-elle d'une voix rauque, ce n'est pas de ma faute, je vous le jure. Qui donc pouvait s'attendre à cela? Vous même, vous avez écrit cultivé ». De quoi s'agit il? Pelagie Ivanovna leva les bras au ciel. Pensez donc, docteur. Il a avalé les six doses de quinine en poudre à la fois, à minuit. C'était l'aube un peu trouble d'un jour d'hiver. Demian Lokic rangeait la sonde stomacale, ça sentait l'huile de camphre. La cuvette posée sur le plancher était pleine d'un liquide gris sale. Le meunier reposait, épuisé, pâle, couvert d'un drap blanc jusqu'au menton. Sa barbe rousse était tout hérissée. Penché sur lui, je lui tâtais le pouls pour m'assurer qu'il s'en était vraiment sorti. Alors. Comment ça va? demandai-je. Les ténèbres d'Égypte dans les yeux. Ah! répondit faiblement le meunier de sa voix de basse. Moi aussi, répliquai-je irrité. Hein? dit-il. Il entendait encore mal. Il y a une chose, l'ami, que je voudrais bien que tu m'expliques. Pourquoi tu fais cela? criai-je plus fort dans son oreille. Alors, la voix de basse sombre et hostile répondit. Eh bien, je me dis, « À quoi bon languiner avec vous Une dose de poudre après l'autre. J'ai tout pris à la fois et on n'en parle plus. »« Mais c'est monstrueux » m'exclamai-je. « Une bonne histoire, monsieur !» répondit l'infirmier comme perdu dans un songe sarcastique. « Eh bien non Je vais lutter Je vais... Je... » Et après cette nuit difficile, un doux sommeil s'empara de moi. Les ténèbres d'Égypte s'étirèrent comme un voile. Et c'était comme si j'étais moi-même enveloppé dans ce voile. » Avec une épée, ou bien mon stéthoscope. Je marche, je me bats dans ce trou perdu. Mais je ne suis pas seul. Mes troupes marchent aussi. Demian Lukic, Anna Nikolaevna, Pélagie Ivanovna, tous en blouse blanche, et toujours de l'avant, de l'avant. Le rêve, quelle belle chose!